situation, increasing the quota. And if you don't change it, everything action we have done. We are repeating the same argument. The quota are not responsible for the country. This is your opinion. But listen, but listen what is going on. And I would say to you, it's clearly, and you know it too. If you don't change the system, next year we come here, and just this moment we have every action in happy and in good, pacific good, way, good, pacific good way. But if we changed, très vite, quickly. Vous pouvez parler français. Ah, ouais, ça va. Pourquoi est-ce qu'on doit se fracasser alors en anglais ici? Ah, mais les gens ils comprendraient et vous me dites que vous savez parler le français. Je pensais que vous étiez allemand, non? Ah oui, mais ça c'est le belge, c'est lui, c'est l'allemand, mais les autres sont les belges. Oui, non, mais je veux dire, si je change de langue, ça signifie pas qu'on change des arguments. Les arguments sont non, mais les quotas, l'augmentation des quotas, c'est quand même à cause de ça que le prix il a diminué. Non. Si. Non, il y en a qui sont liés à un problème de demande, il y a un problème. Oui, mais quand on a demandé, il y a un problème, il y a besoin de restructuration dans les secteurs, il y a énormément oui, de choses. Mais c'est pas les quotas en soi. Si. Les quotas ne sont pas utilisés. Non, mais les quotas peuvent voilà, utiliser. Voilà. Pourquoi utiliser. Vous nous avez expliqué la fois passée, vous aviez augmenté les quotas pour pouvoir arriver à 2015, comme ça on pouvait les supprimer facilement. Donc voilà, vous l'avez dit avec beaucoup d'honnêteté. Mais maintenant, on est d'accord. Vous aussi, puisque vous l'avez dit qu'on a supprimé, on a augmenté les quotas pour qu'ils soient supprimés. Donc, si aujourd'hui on rebaisse les quotas, on augmente le prix directement. Le Conseil a décidé de sortir du système des quotas. Donc, on ne peut pas jouer à les augmenter. Mais le Conseil, pourquoi pas jusqu'en 2015, vous avez la possibilité. On peut rester dans un système régulier. Il y a des agriculteurs qui ont investi, qui ont acheté des quotas. Je ne sais pas quel système. Qui ça finit. Combien est-ce qu'il y en a comme ça? Vous connaissez le nom? Non. La majorité des agriculteurs, ils ne veulent pas ça. Voilà. Et on va ça, vous le prouver, pas. On va vous le montrer. Croyez-moi. Il faut convaincre les ministres. Oui, mais vous avez un bon contact comme. On n'a pas les mêmes. Mais c'est quand même l'Europe qui a instauré le quota. Tout à fait. À partir du moment où nous, nous avons investi, vous trouvez logique après 25 ans, on nous supprime tout à fait. C'est comme si vous avez construit une maison, mais justement, qu'on a vu poser et qu'on ne voulait pas. Oui, mais c'est pour ça qu'en 2003, ça a été décidé de les supprimer. En 2003, ça a été décidé. Donc, 10 ans avant, il y avait tous les temps. C'était déjà une nouvelle décision. D'accord. On n'a jamais apporté cette décision. Il faut bien savoir. C'est une décision des ministres. Ça a été décidé par les ministres. Oui, mais c'est composé par le commissaire. Voilà. Mais la commission propose. Voilà. Mais quoi est-ce qu'on propose? Mais pourquoi la commission ne pourrait pas proposer autre chose? Parce qu'on estime que c'est pas... Vous savez, dans une politique, on peut tout changer. Mais c'est que c'est la solution. Mais il faut bien savoir actuellement. Le prix est si bas à cause de l'augmentation des coûts. C'est sûr. Si. Il n'est pas bas. Quitte maintenant, sinon ça va dépendre. Si le prix n'est pas bas, on va tuer. Le prix n'est pas bas. Le prix vient du ch'ti. Le prix vient du ch'ti. Le prix vient du ch'ti. Le prix, c'est 20 cents. 20 cents, tu touches chez moi. 20 cents pour un litre de lait et tu dis que le prix n'est pas bas. Le coût de production est trop bas. Mais je ne sais pas. Et vous dites ici le prix il n'est pas bas. Les derniers chiffres que j'avais, que j'ai vu sur les 28. Venez chez les exportations, venez chez nous à la maison et on va vous montrer les chiffres que moi je touche, les factures. On est passé. C'est un processus qui est en cours. On est passé. On n'est pas déjà par rapport à 15, 17, 18. On est passé de 27 à 29. On comprend vraiment que vous n'êtes pas au courant de la situation dans les exportations. Parce que vous dites que le prix n'est pas bas, les gens ils sont en train de mourir. C'est pas simplement ici en Wallonie, c'est partout dans toute l'Europe. Et si Mme Fischer-Boel ne veut pas comprendre ça, c'est pas difficile. L'année prochaine, on est en train d'organiser des choses. On reviendra, mais on ne reviendra pas que seulement les producteurs laitiers. On viendra avec toutes les productions et on bloquera l'Europe. Simplement. Mais vous vous rendez pas compte quand vous dites que c'est pas bas, putain, on est passé de 20 cents à 23 cents. Vous parlez d'une augmentation, c'est une aumône en plus. Ouais.
vous rendez pas compte, il nous faut 32 scènes pour vivre. Hein. Et on vous, vous dites qu'on a 28 scènes, mais vous allez chercher où ces chiffres-là? Moi j'aimerais bien avoir 28 scènes. C'est les couilles qu'on a reçues. Bah oui, mais il faudrait se renseigner avant de lancer des couilles comme ça. Vous savez, les chiffres. Vous êtes quand même compétents de vous renseigner. Il y a un trop grand décalage entre la main, la main, vous, la fumée. Il a dit que les pays n'ont pas un décalage. Beaucoup trop grand. Vous devez une fois descendre en fait pour pouvoir voir sur le terrain, sur la situation. C'est pas une idée. On va reprendre les choses en main nous-mêmes. Parce que l'agro-industriel n'aura pas l'occasion. Je veux dire, ça, c'est les messages que la commissaire a toujours donné. Pour avoir un monde agricole, il faut un monde agricole très fort, il faut des organisations des producteurs très fortes pour contrecarrer les pouvoirs de la grande distribution. Ça, elle l'a toujours dit, mais ça, il faut la volonté de les faire. Elle dit, non, mais ça, je peux le dire, mais. Non, mais attendez, je suis d'accord qu'elle l'a dit, ça, c'est vrai. En plus, vous dites qu'on n'a pas la volonté de le faire, mais il faut vous montrer quoi pour montrer qu'on a la volonté. Attendez. C'est grave hein, ce que vous dites là. C'est parce qu'on est quand même on est éduqué, ou sinon vous seriez mal là, je vous le dis. Conseil, pour le moment, ne retournez plus voir des agriculteurs, leur dire que le prix n'est pas bas. Pas possible. Moi, j'ai pas dit que le prix n'est pas bas. J'ai dit que le prix est en train d'augmenter. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il est en train d'augmenter. Ouais, dans le commerce industriel, de le problème, mais pas au niveau industriel. On parlait bien à l'industrie. L'industrie, après la grève, a vu le prix qui commençait à monter. Les transformateurs ont acheté énormément en quantité de poudre, poudre grasse. C'est pour ça que le prix est monté, parce qu'il y avait beaucoup d'achats. Maintenant, qu'est-ce qu'on se retrouve sur le marché? Il n'y a plus de marché. Les transformateurs, ils ont fait des stocks. Maintenant, ils voient que le marché, en fait, il ne va pas monter si fort qu'en 2007. Ils n'achètent plus. Ça veut dire que nos laiteries, pour le moment, elles sont en train de refaire des stocks parce qu'il n'y a plus de marché. Et donc, pour le moment, c'est vrai, vous avez raison. Le prix est en train de monter. Mais ce qu'on va voir, ce qu'on espère ne pas voir, parce qu'on risque de voir quand même, c'est le prix qui va redescendre. Ça, il annonce. Ce jour-là, le jour où le prix va redescendre, nous autres, on sera très forts pour aller chercher les gens chez eux et revenir ici. On est à 5000 euros de France, on ne sera pas 5000. Ah, monsieur, écoutez, regardez, ça c'est ma carte de visite. Vous pouvez me donner la vôtre, si vous voulez bien. Et je vous invite à venir voir une ferme qui tourne. Et je vous montrerai mes factures. Comme ça, au moins, vous serez au courant de combien on touche et comment ça fonctionne. Si vous pouvez me recontacter, ce serait super. Ou moi, je vous recontacterai. Désolé, mais je vous n'avez pas de carte? Moi, je vais le noter. Votre numéro, quelque chose comme ça.